Après 25 ans à la présidence de l'association qui collecte les fameuses pièces jaunes, Bernadette Chirac passe la main. Pour lui succéder, elle a proposé elle-même le nom de l'actuelle première dame Brigitte Macron. Une décision approuvée hier par le conseil d'administration de l'association. Bernadette Chirac, 86 ans aujourd'hui, était présidente de la fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France depuis 1994. Figure indissociable des pièces jaunes, l'ancienne première dame s'est engagée pour améliorer la qualité de vie des enfants et des adolescents hospitalisés. Le conseil d'administration de l'association caritative lui a rendu hier un hommage appuyé. Bernadette Chirac a été nommée présidente d'honneur. Durant toutes ces années de présidence, Bernadette Chirac s'est attachée à porter haut les valeurs et les objectifs de sa fondation, qu'elle a indiscutablement conduite au niveau où elle se trouve aujourd'hui. L'opération Pièce Jaune a fêté ses 30 ans en janvier. Grâce à l'argent récolté, des maisons de parents au sein des hôpitaux, des pompes antidouleurs ou encore des vacances pour les enfants hospitalisés ont pu être financées.